Rebonjour tout le monde. Enfin, salut. Alors, j'enchaîne évidemment aussitôt avec le précédent épisode. Alors là, on va éliminer, parce que tout à l'heure, on est mort. Pour ce moment de vidéo, on est mort assez rapidement. On avait trouvé un petit coffre ici, bah, je vais l'éliminer par là. Que le but, c'est de trouver du titanium. Alors, c'est quoi ça? Du charbon, ok. On a plein de charbon ici. Alors, il faut savoir que pour venir dans ce système, enfin sur ce type de planète, il faut avoir une combinaison que c'est radioactive. Du coup, il n'y a pas d'air. Il faut pouvoir respirer. C'est quoi ça? Ça a l'air d'être un petit trou. C'est assez bizarre. Ah, on dirait. Ah, c'est. Ah, du jus d'alien. Qu'est-ce que c'est ça encore? Ah, il est là. Ok. Je connaissais pas du tout. Alors là, on a, c'est de. J'espère que c'est du titanium. Ah non, du silver. Ouais. Alors là, c'est de l'uranium. Ah, ça, c'est peut-être du titanium, ça, par contre. Uranium. Alors, on voit en bas à gauche une petite base avec des consoles. On va aller voir ça aussitôt, vous inquiétez pas. Je récupère juste l'uranium ici. C'est du charbon récupéré au passage, c'est pas, ce sera toujours intéressant. On va aller voir directement parce que. Bon, j'espère que je vais pas rencontrer trop de méchants parce que ils ont l'air de faire vraiment mal. Ah là, ça a l'air d'être du. Hein, de l'uranium toujours. Non, titanium, voilà, enfin trouvé. Alors, on peut rien faire, c'est. Bon, je récupère. Dommage. Oui, ici c'est du. Ouais, bon, on va laisser tomber. Bon, je trouve ça dommage. Je pensais qu'on aurait pu pouvoir tester. Comme sur la base. Alors, ça c'est du sable, c'est bien chiant. Ok. Heureusement que j'ai une petite arche. On va remonter alors. On saute jusqu'à où? On saute jusqu'à là. Ah, j'ai fait avoir. Oula. Il y a eu un petit problème là. Ah, j'irais bien récupérer le reste du jus parce que j'aimerais bien savoir s'il y a une utilité ou pas.
Bon, allez. J'ai vu un petit truc sauter là, je crois. Ouais, je me suis pas trompé. Et oui, t'es bloqué, mon coco. Alors là, on voit un petit bloc de minerai d'or, je pense. On va aller récupérer ça tout de suite. Oh, tout s'écroule. Ouais, ça va, c'est lourd. Ah, il m'a tué. Ah, ils sont pas gentils du tout là, les mobs. Ah, je voulais juste voir si on peut. Non. Il y a un truc sur ces plantes-là. Ah, ils font sacrément mal. Donc pas l'air gentil du tout, du tout, du tout, les méchants mobs. On évite. Enfin, évidemment, s'ils sont méchants, ils sont pas gentils. Mais j'aimerais bien me venger quand même parce que. Ah, ça consomme énormément d'énergie, ça. Yes, vous êtes tout. Titanium, c'est cool. Silver, je suppose. C'est assez dommage qu'ils n'ont pas mis une petite quête pour. Expliquer quel type de planète il faut prendre. Parce qu'on ne sait pas du tout où aller. Et au final, je me demande. Tiens, de l'or. De l'or, du diamant. Mais de l'or, j'en ai pas énormément. Ouais, quoique. Divisé par 2 ou 4, je sais plus combien c'est. Alors, ça qui est bien, c'est qu'avec cette mise à jour. Maintenant, le diamant, on le récupère directement. C'est pas du diamant or et qu'on le cuire et c'est. Ah, c'est pas gentil ça. Ah, il savait plus s'arrêter. C'est juste ça que je voulais. Donc, pour en revenir à ce que je disais, c'est dommage que pour. Il n'y a pas un tuto qui explique quelle planète il faut aller ou une quête qui nous dit qu'il faut aller à telle planète, tel type de planète pour le niveau suivant. Parce qu'avant, c'était les secteurs. Et là, du coup, bah, en fait, c'était le secteur Alpha, Beta, Gamma. Et puis le dernier, c'était le secteur X. Et après, il y avait des niveaux de difficulté qui allaient de 1 à 10.
Et à partir du secteur X, ça devait être difficulté 6 jusqu'à 10. Et ça, c'était pas trop mal, parce que ça nous faisait une idée à peu près. Et là, maintenant, on sait pas trop. Quoique, je m'en renseignerai, et puis je ferai peut-être un tuto dessus pour vous expliquer à quoi correspondent les types de système solaire et la difficulté et où trouver les minerais. Là, vous voyez, il y a plein d'or. Grâce à cet nouveau système, ça me permet d'avoir pas mal d'or. 27 là, et puis. Bon, j'ai hâte aussi d'améliorer mon matter manipulateur pour l'upgrade pour qu'il mine carrément plus vite. Carrément plus vite. Ça sera bientôt. Bah, d'ailleurs, je crois que je vais peut-être pouvoir le faire là. Puisque il faut 10 titanium et du plutonium ou du uranium. Oh, je sais plus. On va voir ça ensemble. Évidemment, si je mets une torche, je vais retrouver des minerais, non? Eh ouais. Bon, de toute façon. Je suis désolé, faire du minage, c'est peut-être pas le plus intéressant, mais là, en l'occurrence, vu que c'est un minerai qu'on a besoin pour évoluer, alors je vais le faire. Ah, j'ai cassé la torche. Je vais le faire, mais après. Oh là là, il y en a partout. Ah, dans ce jeu-là, quand on commence à miner, ça addictive, on n'arrive plus à s'arrêter. Parce que vous passez par des grottes, vous voyez des petits donjons. On est vite pris au jeu et puis on ne veut plus s'arrêter, on veut continuer à aller plus loin. Allez, je vais passer. Ouais. Ah là là, je remonte à la surface, au moins c'est sûr. À force de miner comme ça, je vais remonter à la surface et ce sera sûr que je trouverai plus de minerais. Mais ouais, j'ai pas beaucoup de vie, j'ai pas fait gaffe ça au plus. En plus, tout à l'heure. Là là. Ah oui, bah, en plus, tu tires, toi. Ah mince. Bon, tant pis, tant pis, tant pis. On va en profiter pour faire pour faire passer la quête. Titanium, alors on va upgrade du moins, c'est ce que je voulais dire, 10 barres d'or et 10 titanium. Alors de l'or, je vais en avoir, du titanium, je vais en avoir, je pense. On va regarder combien de titanium on peut faire. Alors déjà, de l'or,
Ouais, ok, il n'en faut que 10 alors. Et le titanium, il est là. Alors, on en a. On peut en avoir combien? 22. Toute façon, on retournera en miner, et puis grâce à ça, on va pouvoir en miner un peu plus. Et voilà, il est augmenté. Alors, logiquement, vous voyez, il. Ah non, il prend. Il doit miner un peu plus vite. Et là. Durastel, ah bah du Durastel on peut en faire, j'ai pas mal de trucs. Alors, ah non, du Durastel, j'ai rien dit. Je crois qu'il faut passer le four, il faut mettre un four carrément amélioré. Et en faisant la quête suivante, enfin la mission suivante, du coup. Sinon, il y a le vaisseau, je crois qu'on peut upgrade. Alors, 10 uranium et 10 titanium. Alors, l'uranium. Enfin, hop. Et 10 titanium. Et là, attention, mes messieurs. On a agrandi le vaisseau. Comme je vous disais précédemment, bah, on double sa capacité à chaque fois. Enfin, au début, après, à la fin, je suis pas très sûr. Alors, c'est la machine qui va nous permettre de faire un truc qui, pour les joueurs de Minecraft, qui va nous permettre de faire de la redstone. Alors. Sinon, plus simplement, ça va être le système électrique. Alors, je peux relier. Alors, je sais plus comment ça marche. Ça. Il ne peut pas fonctionner. Peut-être que je mette. Je sais plus du tout. Bon, c'est pas grave. Bon, enfin, je sais pas que je sais plus. C'est que j'ai. Enfin, si, normalement, ça avait fonctionné quand j'avais testé. Mais quand vous prenez ce système. Vous. Ah, bah, si, là, c'est bon. Alors, vous reliez ça à ça. Non, il veut vraiment un interrupteur. Alors, si j'ouvre. Les deux sont reliés. Ah ouais, j'ai un peu du mal, je vous le cache pas. Alors en gros là-bas, vous voyez, quand j'ouvre le coffre, ça m'ouvre la porte. Et quand j'ouvre la porte, ça m'ouvre le coffre. Ça c'est marrant. Ouais. C'est le système de redstone qui nous permet de relier tous les objets entre eux. Enfin les objets, système électronique, porte. Alors ça c'est quoi ça? Parce que. Ah oui, c'est les machines. Les deux petites machines à jouer là, qu'on a chopé. Et qu'on veut pas jouer avec. Un truc vraiment dommage. Ça c'est du truc à poisson. Je commence à avoir pas mal de minerais là. Ça fait pas mal tout ça quand même. Alors je vais le garder. Que c'est vrai que maintenant il y a plein d'effets sur des fruits. Alors là bon je pense qu'on va arrêter pour cette vidéo là. Et je vais aller un peu miner de mon coin. S'il y a des trucs à voir, bah. Je le ferai avec vous. Alors, je vous dis au prochain épisode. Allez, ciao.